on fait une interlude crime contre l'arboriculture. Un génocide de sapins devant sur la place Rose, crime commis par l'Europe et la Catalogne et la France. À tous les Français, général de Gaulle, allez vous faire charcuter. Allez vous faire vacciner, pardon. Donc voilà, ils ont mis des sapins. Merde, j'ai plus de batterie. Avec des étoiles toutes moches. Et des petites cuillères avec des petits personnages dessus, ça ne ressemble à rien. Voilà. Ils sont dans des pots en béton. Oh, c'est horrible. C'est effroyable. Des pots de récup, hein, des poubelles avec le scotch dessus. Je sais pas si c'est la ville qui a fait ça avec une école. Ou enfin ça, c'est encore un coup de notre sacré espace-temps de l'État et du capitalisme encore. Encore un coup. Oh là là, c'est horrible. Hein. C'est des petites cuillères, bah, c'est les enfants qui font ça après, faut comprendre, mais. Est-ce que c'est vraiment comme ça qu'on va éveiller Après, on se demande pourquoi le vaccin a été infantilisé. Bah oui, ça commence là, hein. Ça commence dès le... ça veut pas dire rendre les enfants adultes et justement leur apprendre la sexualité non plus dès l'âge de 6 ans. Ils sont tarés, ces gens-là aussi. Hein. Donc tu viens, Kéro ça veut dire le respect de l'espace et du temps, bordel de bordel, merde, avec ce petit cabanon là qui sert à rien. Ah, bah il y a l'écologie qui est là pour agir quand même, avec Camille Jadot. Il est là, regardez, il veille sur nous. Pour les prochaines élections, votez pour lui. Hein. Comme ça, les sapins, eh ben, ils seront bio. On aura des bio sapins à la place. Et non, voilà, donc cette logique de génocide, elle est là, hein, elle est partout. Hein. C'est-à-dire que c'est même pas simplement la nature, hein, les sapins. Bon, les animaux, la condition animale, n'en parlons pas, hein, Kéro. Voilà, hein. Ce qu'il a vécu, et puis il y a un autre chien à sa place. Hein, donc, et puis après, bah, voilà, il y a le bâtiment aussi. Hein. Bonjour. Hop. Bon, je vais appeler mon collègue, elle est dégueulasse sa voiture. C'est une Corse. Elle s'est mise sous un arbre, elle a pris des nerfs de pigeons et tout, c'est vrai. Elle s'est fait pourrir sa bagnole par les pigeons. Ah, ça c'est les sacs à l'amende, 38 euros d'amende, donc ça traîne par terre. Ouais, j'imagine qu'à Perpignan, dans les grandes villes, voilà, donc il y a un gosse qui a joué avec, je sais pas. Du journalisme sur internet, voilà comment ils appellent ça, les canicrottes. Ah, il n'y a pas de panneau là, ville phyto, non, rien, ils ont pas mis. Donc voilà, là bon, je sais pas combien ça vaut un panneau stop, mais bon, il y a un tag dessus, il suffit de mettre un petit message, hein, de l'état, mais un état conscient de l'espace et respectueux de l'humain, hein. Prière de ne pas taguer les... parce que c'est quand même pour la sécurité routière, donc c'est important. Et voilà. Par contre, là, ici, faire un joli mur, voilà, il y a eu un début. Et là, donc le graffeur, au lieu de lui foutre en taux, lui coller une amende, lui dire, bah non, tu fais pas ça, parce que c'est une question de sécurité routière, c'est de santé publique, c'est, voilà, il y a des risques accidents, ça peut être ta mère, ta petite sœur, donc tu te responsabilises, s'il te plaît, et puis en même temps, bah voilà, tu nous fais un truc joli, là. Ça fera bien, dans la place, dans là, un joli petit graphe à cet endroit-là. En plus, les maisons étaient rénovées ici. Ah non, celle-là est vide. Celle-là a été refaite, celle-là est vide. Hein. Et celle-là est toute jolie aussi, mais les volets en bois. Mais voilà, en bas, il n'y a pas de volets. Le défi que j'essaye de faire dans ma maison, là, pour prouver à tout le monde qu'il y a un niveau thermique du bâtiment. Bonjour. Hein, c'est-à-dire qu'il y a des jolis volets en bois à l'ancienne. Ça isole bien. Hein, les volets là-haut, ils sont bien. Des beaux volets. Là-bas, il y a des volets pliables, et puis ben, la porte aussi. Salut. Là, la porte d'entrée aussi, hein, souvent on fait le vin. Et là-haut, il y a une des vitrées aussi, il y a des volets. Là. Ah non, il les a mis en haut, et en bas, il les a enlevés. Après, on peut mettre des rideaux, mais bon, hein, le top du top, c'est les deux, hein, c'est les volets plus les doubles rideaux. Bon, on finit l'interlude, c'était une interlude au départ. Ah, merde.